Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau des experts au féminin. Alors, notre présentatrice habituelle, Axel Collangean, est absente pour 2 semaines. Elle m'a passé le relais, mais nous tâcherons de lui faire honneur, de vous faire honneur, le temps de son absence. Elle est retenue à Saint-Martin. Donc, voilà. On commence par un petit tour de table. Maëlle. Bonjour, Joëlle. Donc, présentez-vous, parlons de votre chronique, s'il vous plaît. Alors, je suis Marie-Félix Henry, directrice du Centre de formation et de l'espace coworking IRESA. Lors de ma chronique, je parle d'entrepreneuriat, de la vie associative et également une pointe de sport. Très bien. Amanda, ravie de vous avoir dans cette première partie pour cette configuration. Bonjour, je suis Amanda Collangean. Je fais de la recherche en tendance sur les réseaux sociaux. Très bien. Cindy, très heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression de revenir après 2 mois de vacances. Bonjour Joël. Moi, Cindy Bajazé, fondatrice du cabinet d'assistance juridique administrative. Donc, ma chronique parlera entrepreneuriat à toutes les sauces. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes le lundi 21 mars et nous avons décidé de continuer sur la lancée d'Axel avec une femme inspirante en plateau pour cette première partie. Ludivine Gustave-Di Duflo, bonjour. Bonjour Joël. Je suis vraiment très contente de vous avoir avec nous sur le plateau. Vous êtes à la tête de l'agence de conseil Madizy Management depuis 2015. En quoi consistent vos missions auprès des entreprises que vous accompagnez ? Bien, merci. Je suis également ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, les missions de Madizy sont toutes simples. Elles consistent à accompagner des dirigeants ou des entrepreneurs dans leur réflexion stratégique et l'implémentation de leurs projets. D'accord, très bien. Vous avez également d'autres casquettes. Vous êtes une auteure de best-sellers, vous êtes conférencière. Comment tout ceci a démarré? Racontez-nous un petit peu. Tout à fait. Je suis effectivement auteure de livres en management et leadership et conférencière. Alors, le démarrage vient d'un déclic. Donc, j'ai évolué dans le monde de l'IT, donc infrastructure et technologie, donc pour accompagner des grandes structures dans le développement de leurs projets. Donc, tout cela s'est très bien passé. En Europe et à l'international. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait le constat que beaucoup d'argent était jeté par la poubelle. Oui. Dans le sens où les projets étaient bien pensés, mais pas forcément bien cadrés. Et tous les projets n'arrivaient pas forcément à terme, dans les conditions souhaitées. C'est le premier constat. Deuxième constat, le positionnement de la femme, également dans un secteur masculin. Alors, j'ai été vraiment, à chaque fois, en tout cas, particulièrement en France, dans une ambiance assez bienveillante. Mais arrivée à l'étranger, dans certains contextes, je me suis rappelé que j'étais une femme, que j'étais noire. Ouais. Et bien souvent, j'avais la réflexion, j'entendais, mais est-ce que le chef de projet, elle arrive ou pas? Je suis là. Ah, c'est vous? C'est moi. Mais vous avez fait quoi comme diplôme? Vous avez quoi comme parcours? Bon, allez, quelques petites expériences comme ça qui ont aussi justement accompagné ce déclic. Et le tout dernier, tout simplement pour faire court, c'était un mécontentement, une frustration, et je l'explique dans le livre Passer de l'idée à l'action, sur ce que je voyais qui pourrait être et qui n'arrivait pas. Et là, je me suis dit, écoute, t'as deux choix. Soit tu te plains continuellement, soit tu passes à l'action autrement, d'ailleurs le titre du livre, et j'ai fait ce choix. Et je précise ici que c'est un choix qui semble peut-être simple présenté comme ça, mais il faut savoir que en Belgique, à ce moment-là, j'ai un statut d'expatrié, j'ai une situation tout à fait confortable, et là je dis non à cette situation-là pour embrasser quelque chose que je vois en vision, mais qui n'est pas encore visible par d'autres. Donc, exactement. Et voilà comment l'aventure a démarré. Très bien. Vous avez fait le choix d'exercer ces missions en mode digital nomade. J'ai entendu, je suis plutôt dans notre confrère Stiley, que vous avez vendu appartement et voiture. Tout à fait. Pour vraiment vivre en citoyenne du monde. Est-ce que c'est si facile à vivre que ça en a l'air sur les réseaux sociaux, avec un mari et des enfants qui vous accompagnent dans vos déplacements? Alors, ce choix aussi vient d'un contexte particulier, hein, par rapport à la méthode 5-4-3-2-1 que je mets en avant justement pour aider à manager des projets. Je l'applique moi-même dans ma propre vie. Et cette méthode, en fait, elle allie développement personnel et professionnel. D'accord. Donc le choix n'arrive pas par hasard, il vient d'un processus, d'une réflexion en amont. Mm-hmm. Et il n'arrive pas du jour au lendemain. c'est pas si difficile que ça quand justement, eh bien, enfants et conjoints rentrent dans cette réflexion commune. On a d'ailleurs un livre qui s'appelle Business en couple, on en parle également. Et ce qui est plus dur, c'est plutôt de ne pas regarder en arrière. Une fois que la décision est prise,
de s'y engager par rapport au plan d'action que l'on a fait, coûte que coûte. Parce que projeter, c'est une chose, mais vivre et se confronter à la réalité du terrain, c'en est une autre. Oui, j'imagine bien. Ouais. J'imagine bien. Vous êtes actuellement en tournée aux Antilles-Guyane avec le séminaire gratuit 5-4-3-2-1, voilà, inspiré de son livre, de son best-seller, le premier. Qu'est-ce qui a motivé ces rendez-vous donnés aux entrepreneurs et pourquoi avoir choisi la gratuité ? Merci pour la question. Tout le monde me la pose, du coup, vraiment gratuit, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui a motivé déjà cette rencontre ? La première chose, c'est le constat qu'on fait, mondial, hein, pour les entreprises. Donc moi, j'accompagne encore, hein, malgré la crise, et encore plus, eh bien, des acteurs, qu'ils soient entrepreneurs ou dirigeants. Mmh. Et j'étais souvent en Guadeloupe. Donc j'ai dû quitter l'Asie pendant le Covid pour revenir en Europe, oui, par sécurité. C'était à nouveau un choix. Et on a été beaucoup plus présents en Guadeloupe. Et à chaque rencontre, souvent, plateau, télé ou radio, à quand une conférence, à quand un séminaire. Et en réfléchissant avec nos équipes et un commercial qu'on avait engagé à ce moment-là, on s'est rendu compte que les gens n'osaient plus investir en eux et dans leur activité. Vraiment refroidis et saisis à cause des incertitudes qui ont été occasionnées par la crise. Et là, on s'est dit, mais c'est dommage de passer à côté de ce qu'on pourrait faire, surtout aux Antilles, parce que en étant présente beaucoup plus souvent, je me rends compte de toutes les opportunités qui sont sur nos îles. Oui. Et là, on réfléchit, on se dit, OK, on met en place un événement payant, ouais, mais les gens ne vont pas forcément cliquer alors que ça va être vraiment dans leur intérêt. Et là, on s'est dit, OK, donnons ce qu'on a à donner coûte que coûte. Et ensuite, le déclic se fera à leur niveau. D'accord, très bien. Quelles sont vos impressions à l'issue des deux premiers séminaires ? Puisque la tournée en Guadeloupe s'achève, et s'est achevée le week-end dernier. Est-ce que la reprise vous semble sur de bons rails dans notre archipel ? Tout à fait. On a vraiment travaillé au-delà du management et de la technicité, la partie leadership. D'accord. On a beaucoup parlé de vision, de projection et de la Guadeloupe de demain, puisqu'on était en Guadeloupe, on fera pareil avec la Martinique et la Guyane. Mais ouais. Et on se rend compte qu'en fait, notre peuple, on en veut en fait. On en veut beaucoup, on veut faire des choses, mais parfois la bonne information n'est pas forcément disponible. Donc on a réfléchi, et puis mon constat en tout cas après cet événement est que cette communauté en tout cas doit continuer dans ce même élan. Donc on a mis en place cette communauté et ce premier groupe a fait partie des premiers participants à la communauté. Et ça ne fera que continuer dans cette direction. Alors la crise sanitaire n'est pas tout à fait derrière nous, mais on a quand même un peu de recul. Est-ce que vous avez relevé des pratiques vertueuses au cours de cette pandémie ? À quel niveau particulièrement ? Alors, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont mis en place d'intéressant pour rebondir, pour avancer, pour durer en fait ? Les bonnes pratiques, crise ou pas crise, que j'observe et qui ont vraiment aidé pendant la crise, c'est celle de mettre le networking dans son plan d'action. D'accord. De ne pas se concentrer uniquement sur ses projets, mais continuer à développer son réseau et avoir des interactions. C'est super important parce que c'est de là, en fait, que viennent ensuite les opportunités. On est plus à même de les voir parce qu'on est éveillé. Une conversation vous permet de raccrocher, en tout cas, deux informations par rapport à la trajectoire que vous avez identifiée. Et là, ça fonctionne. Et les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, notamment en Guadeloupe pendant la crise, ont aussi réussi par rapport au réseautage. Je ne parle pas du réseautage copain, copine, tu me places là, etc. Je parle vraiment de cette vision, cet impact sociétal avec d'autres personnes qui sont aussi dans une dynamique de création. Très bien. Je sais que vous avez profité de la pandémie pour apprendre le mandarin. C'est assez insolite. Est-ce que vous recommandez aux entrepreneurs que vous accompagnez d'explorer de nouveaux territoires pour mieux rebondir ? Eh bien, avec la digitalisation, c'est presque inévitable. Donc, on peut vendre sur son marché, sur une portée locale, mais la dimension internationale, il faudrait être vraiment fou pour s'en passer. Oui. Donc oui, l'anglais de base devient nécessaire, et d'autres langues aussi par rapport au marché que l'on vise. Moi, j'ai appris le mandarin, non pas juste pour avoir une troisième ou quatrième langue de plus, mais parce que c'est le marché sur lequel je vais beaucoup plus évoluer. D'accord. Donc oui, je recommande vivement aux entrepreneurs de réfléchir à moyen terme sûr, mais aussi à long terme, et déjà de développer leur asset. Très bien. Une petite question sur votre casquette d'auteur à succès. Je rappelle d'abord les titres. Donc celui-ci qu'on a présenté tout à l'heure, Passer de l'idée à l'action, la méthode 5-4-3-2-1 pour planifier et réussir tous vos projets, premier best-seller. Okay. Le deuxième, c'était Business en couple, qui a dit que travailler en couple était impossible. Et le troisième, 10 attitudes à cultiver pour croire et agir en leader. Ouais. Pourquoi va privilégier l'auto-édition pour ces trois ouvrages ? Eh bien, alors déjà, je suis
très fan des méthodes et de ce qui va vite. Donc quand je me lance dans un projet, j'essaie de voir comment le faire dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. Non pas par rapport à ce que je veux, mais pour que ce soit utile. C'est ce que j'explique aussi aux entrepreneurs. Pour prioriser, regardez ce dont vos clients, votre audience a vraiment besoin et faites-le tout de suite. L'auto-édition, c'est bien, mais ça prend du temps. Ce livre qui a été publié, écrit en 6 mois à peine, en moins de 6 mois, en 2 mois pour faire court, le projet a démarré, mais a duré sur 6 mois, en moins de 2 mois, présenté au Salon des entrepreneurs, juste après sa publication, frais sorti, déjà présenté, n'aurait pas été présenté aussi vite si j'avais choisi un autre chemin. Il faut savoir que les maisons d'édition ont beaucoup d'acteurs dans le process jusqu'à l'impression du livre. Mm-hmm. On aurait été sur facilement 12 mois, 12 voire plus, 14 mois. Oui, ça compliquait la... Tout à fait. Et d'ailleurs, ce livre a été demandé en reprise par une maison d'édition et j'ai eu l'opportunité de décliner. Non pas par fierté, mais simplement parce que par rapport à ma vision, ma mission et ce que je souhaite en faire, la mainmise et le fait de rentrer dans un espace avec des règles un peu trop serrées ne convenaient pas à ce que j'envisageais. Je comprends tout à fait. Le deuxième ouvrage donc, concerne le business en couple. Oui. Je recommande la lecture à ceux qui y songent sans oser sauter le pas. Ceux qui pensent que c'est impossible d'ailleurs aussi. Qu'est-ce que cette expérience a apporté à votre couple jusqu'ici ? Eh bien, encore plus d'ancrage, encore plus de complicité. Oui. Parce qu'on s'amuse vraiment par rapport au projet que l'on met en place. Par exemple, cette tournée, mon mari est aussi très actif. D'accord. Donc, il fait partie de Manizy, il est directeur communication pour la structure. Mm-hmm. Ça nous permet d'accélérer notre engagement sur les décisions que l'on prend. Conscient des objectifs à atteindre et de ce qu'on veut faire à côté, eh bien, on s'active tous les deux ensemble. Donc, ce n'est pas moi de mon côté qui lui fais un petit reporting. Ah, voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. On sait comment on progresse, on sait où sont nos axes d'amélioration et aussi où on a été très bon et ce que ça peut rapporter. Notre vision, c'est d'allier passion et business. Donc, on est vraiment dans cette démarche de résultats, d'impact sociétal et en même temps de kiffance, si je puis dire, pour parler un peu plus légèrement. Voilà. Et le voyage avec nos filles fait partie de ce schéma de vie qu'on met en place. Vous parliez de vente tout à l'heure, on a effectivement vendu tout ce qu'on avait. Sans être matérialiste, on avait quand même déjà une bonne assise en Belgique, un appartement très chouette. Et c'est un choix, mais la qualité de vie ou ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, ne vaut pas le fait de rester dans un appartement, une maison, du lundi au dimanche, en voyant exactement tout le temps la même chose. Oui. Ça, c'est nos choix personnels. Ça peut être OK pour d'autres personnes. Bien attention, sûr, comprenons-nous ici. Bien sûr. Ouais. Beaucoup de femmes se mettent une charge mentale considérable par rapport à leur vie de famille quand elles entreprennent. Vous dites que vos filles vous accompagnent. Comment elles vivent cette aventure à vos côtés? Alors, avant le Covid, super bien, oui. Parce qu'on pouvait bouger, se déplacer de façon spontanée, aller exactement où on voulait aller. Mmh. Avec le Covid, les choix ont dû être restreints, on est resté beaucoup plus souvent aux Antilles qu'à l'international, donc elles sortent moins qu'elles n'auraient pu, mais l'aventure leur est tout à fait bénéfique. Alors notre grande qui ne parlait pas anglais quand on est partie, quand on est revenu juste après le Covid, elle était parfaitement fluente. Je n'ai pas vu à quel moment elle a développé son anglais. Et la deuxième, qui a 7 ans, quand on est parti à Boston pendant 3 mois en septembre dernier, elle a été scolarisée là-bas le temps de notre séjour sur place. Elle est aussi bilingue maintenant. Très bien. Et au niveau business, la première, elle a ouvert sa boutique en ligne. J'adore. Aujourd'hui, elle est auteure inconnue, donc son nom n'est pas publié, mais elle a plus de 70 000 lecteurs en moins de 4 mois. Donc, elle est rentrée dans cette dynamique. Elle nous accompagne aussi sur la tournée. Excellent. Elle a maintenant 15 ans, mais ce dont je vous parle, elle avait 13 ans et demi à ce moment-là, au moment du lancement. La partie écriture est arrivée récemment. D'ailleurs, elle me coûte un bras parce que chaque semaine, maman, je peux acheter un livre. Comment te dire? Trouve un moyen de mettre en place un fonctionnement qui te permettra de générer un peu de chiffres pour acheter tes livres. Donc elle a trouvé une solution et elle vient de démarrer sur cette solution. On a une inspiration, on y est. Ces trois titres ont inspiré de nombreux lecteurs. Est-ce que vous avez déjà une idée pour votre prochain ouvrage? Une idée de sujet, de thématique? Le quatrième ouvrage... Oui, le quatrième. Était censé arriver plus tôt, notamment aussi avec notre moment en Chine, mais à cause du Covid, ça a été retardé et du coup, je n'ai pas du tout avancé sur cette partie-là. Mais on parlera certainement d'intelligence artificielle par rapport à l'homme et la spiritualité. D'accord. Tout autre sujet.
Oui, tout autre sujet, mais toujours en lien avec cette nouvelle façon d'embrasser le marché. D'accord, très bien. Je vois que les filles autour du plateau sont, sont très intéressées par tout ce que nous disons. Une toute dernière question avant de se quitter. J'aimerais que vous nous donniez un petit conseil aux jeunes femmes qui nous suivent, qui rêvent de donner du sens à leur carrière, qui ont des idées, mais qui ne savent pas toujours par quel bout commencer. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour oser y aller? Quelques conseils. Le premier, de lire, déjà. Plus on s'informe, je lis un livre par semaine. Plus on s'informe, plus on est en mesure de prendre des décisions rapidement, puisque l'information nous permet aussi d'élargir nos perspectives. Oui. Deuxième conseil, ne restez pas seul dans votre coin. Faites-vous accompagner, ça ne sert à rien d'essayer de faire tout par soi-même. Mm-hmm. Ça nous étouffe et en plus, ça ne nous permet pas de nous élever. Donc faites-vous accompagner et gagnez du temps. Tout ce que je fais ou cette progression rapide que je peux expérimenter en toute gratitude, oui, c'est parce que j'ai une vision, mais c'est aussi parce que je me fais accompagner d'experts ou de mentors. Oui. Voilà. Donc, et puis, troisième conseil aussi, osez créer votre environnement. C'est dur à dire, mais si vous n'êtes pas dans un contexte de vie favorable à votre, je ne vais pas dire émancipation parce qu'on est déjà libre, mais à votre épanouissement et à votre élévation, osez changer de lieu, que ce soit géographique ou relation amicale ou professionnelle, ça fait une différence dans ce que vous êtes capable de réaliser. C'est excellent. Les filles autour du plateau, on parle souvent de cela, de réseautage, de savoir s'entourer. Cindy met souvent l'accent sur ce sujet. Qu'avez-vous retenu de cet entretien? Je suis très, très heureuse de la compter parmi nous ce soir. Merci. Je vous suis sur les réseaux. J'apprécie particulièrement votre travail, surtout que je suis personnellement, dans un travail de développement personnel. Donc, ça me permet également de m'informer. Moi, je le dis tout le temps, cette émission, il faut se faire accompagner de professionnels, comme vous avez dit, de mentors et également de personnes solaires. Donc, ça peut être des membres de notre famille, des amis. Et ça nous permet également de nous élever, comme vous disiez. Donc, félicitations pour votre parcours. Je suis agréablement surprise et félicitations encore. Je sais que Maëlle est une lectrice assidue. Qu'avez-vous retenu? Écoutez, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît avec Ludivine. J'ai eu l'occasion de la voir sur un super séminaire qui m'avait donné des frissons et dont je garde un excellent souvenir. C'est vrai que Ludivine, c'est quelqu'un de très inspirant, mais bon, ça, j'ai l'habitude de le lui dire, et qui pour moi est un exemple en matière d'entrepreneuriat au féminin, le fait de sortir de sa zone de confort et de justement franchir les limites que parfois on se fixe soi-même pour rien, en vérité. Et c'est vrai que lors de quelques échanges qu'on a pu avoir, ça me permet de me remettre parfois vite fait sur les rails. Et elle fait partie pour moi des réseaux de femmes inspirantes. Et donc, j'invite la Martinique et la Guyane à venir à sa rencontre parce qu'il y aura vraiment de très belles choses qui vont être dévoilées et mises en lumière. Très bien. Amanda? Alors, ce que j'ai retenu, je suis très OK de pouvoir changer d'environnement. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais aussi de pouvoir guider ses enfants vers le business. Vraiment, je trouve ça super important puisque généralement, on trouve ça tabou aussi jeune. Mais c'est OK pour certaines personnes de pouvoir guider les enfants vers cette voie-là. Donc, je trouve ça génial. Je vous renouvelle nos remerciements. Merci à merci vous, encore. C'était un plaisir. Et pour les téléspectateurs, alors ceux qui ont loupé la Guadeloupe, désolé, mais en Martinique, ce sera le 3 avril à l'hôtel de la Batelière à Chelcher, de 10h à 19h15. Et vous continuerez à Cayenne le 14 avril, toujours sur une journée de 10h à 19h15. Merci encore. Merci à vous. Nous, on va se retrouver tout à l'heure après une coupure pub. Nous voici de retour sur le plateau des experts au féminin. Place aux chroniques de nos chères expertes. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir, Maëlle? Alors, ce soir, je vais vous présenter une jeune femme qui est dans le BTP. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est un parcours très inspirant et qui poussera, j'espère, des vocations. On a hâte, c'est insolite le BTP pour une femme.
Notre chroniqueuse suivante, Amanda. Alors ce soir, nous allons parler avec la fondatrice de Guadeloupe Box. On va redécouvrir ou découvrir les artisans locaux. Très bien. Et vous, Cindy ? Alors ce soir, nous allons à la rencontre d'une femme que j'apprécie particulièrement, comme toutes celles que j'ai eu l'occasion d'inviter sur ce plateau d'ailleurs, qui s'appelle Ina Diallo. D'accord. C'est une entrepreneuse, comme on veut. Elle est maman, épouse, et elle collabore également aux côtés de son époux. Donc elle va nous parler de son parcours. Très bien. On va à sa rencontre tout de suite. Très joli programme. Alors, je ne vais pas oublier, pour ceux qui aiment la chronique voyage, je recevrai tout à l'heure Maëlys Coffey, une jeune expatriée guadeloupéenne à Toronto. On va démarrer tout de suite avec l'invité de Maëlle. Excusez-moi, l'invité de Cindy, pardon, Ina, qui est déjà avec nous en duplex. Exactement. Bonsoir, Ina. Bonsoir, tout le monde. Impeccable. Ravie de vous avoir parmi nous. Eh bien, moi, je suis très contente d'être parmi vous. Je vous ai rencontré d'ailleurs virtuellement grâce à Cindy, donc très heureuse que vous soyez là. Je vous laisse entre ses mains expertes. Bonsoir Ina. Bonsoir Cindy. Ravie que tu sois parmi nous ce soir. Bon Ina, on a des codes généraux, bon, cette émission, on se vous voit, mais je n'arriverai pas à te vous voir. Donc on va se tutoyer. On se connaît sans se connaître Ina, parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, c'est comme si on s'était vus, et pourtant non. J'apprécie particulièrement en fait ta personne, ta personnalité et ton travail. Mais j'ai souhaité ce soir que tu sois parmi nous pour que tu puisses un peu nous présenter ton parcours. Et puis peut-être donner aussi l'opportunité, l'envie à celles qui souhaitent entreprendre de le faire. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît, Ina, pour qu'on puisse te connaître un petit peu plus? Merci Cindy, déjà pour ton invitation, ça me fait vraiment plaisir. Bien, je me présente, je suis Ina Diallo, donc je suis martiniquaise et malienne de papa. Donc je suis mère d'un jeune garçon que j'ai eu à 20 ans, qui a 19 ans aujourd'hui. Donc d'ailleurs, je suis avec lui en ce moment à Paris. Voilà, donc je suis également entrepreneuse. Donc j'ai monté deux restaurants avec mon mari qui se situe en Martinique. Et je suis également consultante en gestion et développement d'entreprise. Donc j'accompagne les chefs d'entreprise à comprendre les chiffres de leur entreprise de façon à ce qu'ils puissent être maîtres de leur business et pouvoir communiquer avec les partenaires comme les banquiers, les experts comptables. Donc du coup, voilà, pour la petite présentation. Tu peux nous parler de ton parcours professionnel, Ina? Alors, mon parcours professionnel, oh là là, quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait une petite liste. Je me suis dit, waouh, j'en ai fait beaucoup. Alors, mon parcours professionnel, donc j'ai fait une école, donc je suis partie du foyer familial à 17 ans pour rejoindre Paris. Et donc, du coup, j'ai fait une école d'expertise comptable. Et par la suite, à 20 ans, j'apprends que j'ai un petit garçon. Donc, je décide de garder ce petit garçon. Et donc là, je décide de poursuivre l'aventure en apprentissage. Donc, j'atterris dans une grande société qui s'appelle JFPM Associés, qui était gérée par Josiane Balasco et Gérard Jugnot, qui sont connus dans le métier d'acteur et d'actrice. Donc, du coup, j'étais leur apprenti comptable à cette époque. Donc, je poursuis mes études parce qu'il fallait bien évidemment que je puisse donner vivre avec mon petit garçon. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est parti. Donc, par la suite, entre-temps, je me suis dit, ben, il faut vraiment quelque chose, il faut vraiment que je gagne un peu mieux ma vie. J'ai été aussi mannequin, donc j'ai représenté une très grande marque cosmétique à Paris pendant 5 ans. Donc ça m'a permis de pouvoir continuer mes études en apprentissage, mais avoir un complément pour pouvoir vivre avec mon petit garçon. Et puis par la suite, j'ai intégré une autre structure, Bolloré, où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi quand même, en tant que consultante, mais aussi responsable comptable. Donc voilà, dans la partie financière. Une très très belle carrière. comme on l'a dit tout à l'heure, tu es maman d'un garçon de 20 ans, tu es également l'épouse d'un chef cuisinier, peut-être l'opportunité pour Joël de l'inviter un de ses quatre journaux.
sur notre plateau. Comment ça se passe au quotidien? Comment tu arrives à allier vie de famille, vie professionnelle? Comment se passe une journée avec Ina, son fils? Je crois que ton fils est en métropole, qu'il poursuit les études. Mais comment ça se passe au quotidien avec ton époux, dans l'articulation même de votre vie, puisque vous avez deux sociétés à votre actif et tu en as une autre, toi, en indépendante? Comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Alors, maintenant, ça fait 10 ans. Donc, les choses ont bien évolué. Donc, quand j'ai rencontré Eddy en France, j'ai décidé d'aller monter une entreprise, avant tout la sienne. Et par la suite, j'ai décidé de monter la mienne. Et finalement, c'était pas mal parce que je connaissais les chiffres, c'était mon domaine. Donc, on a ouvert nos sociétés ensemble, en collaboration. Donc, on a mis une organisation en place parce que moi, je ne savais du tout pas gérer les salariés. Donc, on en a eu d'un coup 7. Après, c'est passé à 14 puisqu'on a repris la structure de son père. Et comment se passe le quotidien? À cette époque, Noah n'avait que 8 ans. Donc, j'arrive en Martinique, même si je connaissais la Martinique, mais pour les vacances, c'était autre chose. Donc, il fallait maintenant gérer cette vie de couple, cette vie de maman, mais aussi pouvoir s'acclimater. Voilà, à Lille. Et du coup, j'ai mis tout simplement une organisation au début en place, une organisation qui était propre à moi, par rapport à moi, ce que j'avais vécu en France, dans les entreprises avec qui j'avais travaillé. Et puis, j'avais aussi cette casquette de comptable qui nous a beaucoup aidés. Et la magie entre Eddy et moi, qui est mon conjoint, qui est justement chef à Pignan Nouvelle Vague, si je peux nommer le restaurant, voilà, c'est que chacun avait sa mission. Moi, ma mission, c'était de m'occuper tout simplement de la partie RH, de la partie financière. Et Eddy, sa mission, c'était de s'occuper de bien faire manger les clients, en fait, hein, de pouvoir satisfaire les clients et surtout de gérer son équipe en cuisine. Voilà, parce que le management d'un chef cuisinier n'est pas le même management d'un chef d'entreprise au quotidien. Voilà, c'est une brigade, donc c'était déjà lourd pour lui. Et puis, au niveau de ma structure par la suite, c'était un peu très compliqué parce qu'il fallait gérer non seulement mon entreprise, mais celle de mon conjoint, de façon à ce qu'il y ait un équilibre. Et moi, avec le temps, 10 ans plus tard, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément trouver l'équilibre, mais le juste équilibre, voilà, entre les deux. Parce qu'on ne peut jamais avoir un équilibre parfait. On ne peut pas être parfait non plus. Et je vous ai perdu peut-être? Non. Je suis tout... Ah. Donc, j'ai adapté tout ça. Les choses comme je les ai faites quand mon fils était tout petit, j'ai pris des décisions, j'ai écouté mon intuition. Et avec Eddy, la règle, c'était que quand on rentre à la maison, on ne parle pas travail. Ça, c'était clair, net et précis. Parce qu'il faut savoir que mes bureaux sont juste à côté des restaurants. Et ma maison est juste à côté des restaurants. Donc du coup, la règle, c'était on ne parle pas de travail. Par contre, quand on est à la maison, on communique sur notre couple, sur notre équilibre. Et aussi Noan, qui lui, c'était très très compliqué pour lui, parce que non seulement il devait aussi s'acclimater, mais maman ne sortait pas du travail à 17h. Maman, elle travaillait jusque des fois à minuit, 1h du matin, au travail, au bureau, parce que quand j'avais fini le restaurant, quelquefois, j'étais obligée de faire les services. Le service en tant que serveuse au restaurant, parce qu'on n'avait pas une très très grande équipe au début, il fallait commencer tout petit. Et ensuite, je continuais avec mon cabinet pour le développement jusqu'à minuit. Donc, c'était vraiment des années, les premières années ont été les années les plus difficiles, mais ça a été pour moi une certaine expérience de vie, et surtout sur la résilience que j'avais déjà connue auparavant avec mon petit garçon que j'ai eu à 20 ans. Parce qu'avoir un enfant très jeune, ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de courage. Et pour moi, j'avais déjà vécu ce genre de situation-là avec mon enfant. Et quand on crée une entreprise,
c'est un bébé en fait, hein. On le fait grandir avec nous, donc on acquiert de l'expérience par la suite. Voilà. Mais pour moi, j'ai accepté que rien n'était parfait dans la vie et que je faisais avec ce que je pouvais et je suivais mes intuitions et je prenais aussi des décisions, même si je sais que décider, c'est quelquefois se soumettre à certaines choses très compliquées. Mais quand il faut, il faut assumer, voilà. Pour la petite histoire. Merci Ina. Parlons de ton cabinet, qu'est-ce que tu proposes exactement? Donc tu travailles avec les entrepreneurs, les entreprises, les TPE, les PME, les associations également. Quelle est ton expertise à ce niveau? Alors, moi, quand je suis arrivée en Martinique, déjà, j'ai commencé par la création d'entreprise. Voilà, c'était pour moi quelque chose de très important. J'étais en plein dedans avec mes structures, donc j'ai appris en créant mes propres entreprises. Et par la suite, des opportunités se sont amenées à moi. Beaucoup de personnes me demandaient, c'est-à-dire des cabinets en formation en tout ce qui est entrepreneur, venaient vers moi en me disant, écoutez, est-ce que vous pouvez nous faire des formations? Et ça tombait très bien, j'aimais beaucoup le droit aussi. On se rejoint, Cindy, à ce niveau-là. Et puis, j'aimais beaucoup les chiffres et le social. Et pour moi, c'était très important que le chef d'entreprise pouvait comprendre qu'il était important de se faire accompagner, mais de pouvoir comprendre aussi le processus de l'accompagnement de la création d'entreprise. Voilà, de faire les choses soi-même, de pouvoir comprendre, même si aujourd'hui, par rapport à d'autres structures que je vais créer, je délègue, mais aujourd'hui, je suis capable de comprendre mes chiffres, je suis capable aussi d'avoir une conversation avec mon banquier, de pouvoir négocier un prêt pour aussi l'avenir, pour l'immobilier, etc., mais aussi avoir une discussion sereine avec mon expert comptable qui m'accompagne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on parle le même langage, on se comprend. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas forcément chiffre, c'est difficile. Quelqu'un qui n'aime pas les chiffres, c'est un peu compliqué, qui n'aime pas l'administration. Mais on ne lui demande pas d'être comptable. On lui apprend tout simplement à connaître la base de façon à ce qu'il puisse être plus autonome, mais aussi plus serein dans la vie de son entreprise, qui puisse lui permettre aussi de développer et pourquoi pas être aussi, investir dans l'immobilier, investir aussi dans d'autres structures. Voilà. Donc le but de mon entreprise, c'est de pouvoir vraiment sécuriser le statut de dirigeant et l'accompagner à avoir une entreprise qui soit prospère. Voilà. D'accord, Ina. Alors, dernière question. Est-ce que tu peux... quel conseil plutôt donnerais-tu à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat et qui justement se mettrait des freins? Moi, ce que je conseille avant, alors j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça, c'est d'être à 110%. Je n'ai pas dit 100%, à 110, à 120, à 150% sur son projet. De se faire accompagner, c'est très important, ne pas se dire du jour au lendemain, ok, je veux créer, je crée. De mettre en place un prévisionnel, et pour mettre en place ce prévisionnel d'activité, c'est savoir où on en est, est-ce que notre activité sera fiable ou pas, et comment, en étant accompagné de consultants comme nous. Je ne fais du tout pas de pub pour nous, mais je vous amène vraiment à pouvoir être accompagné par un consultant, mais si vous avez la possibilité aussi un coach, parce que c'est très important de... Quand on crée une entreprise, de savoir si on est en adéquation, et on appelle ça dans notre métier l'adéquation homme-projet, savoir si aujourd'hui je dois créer une entreprise, est-ce que cette entreprise est adaptée à ma vie actuelle? Et comment je fais pour qu'elle soit adaptée à cette vie? Et seul quelqu'un qui puisse avoir de l'expérience à ce niveau-là, et d'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, Cindy, je te parlais justement de ma certification que j'ai été chercher au Canada, de coach en neurosciences, parce que le but n'est pas d'être consultant et de dire aux gens, aux entrepreneurs ou à ceux qui veulent être entrepreneurs, oui, ok, faites ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Non, parce qu'il y a certains blocages qu'on a très régulièrement, nous, en tant qu'humains, dans tout le cursus de notre vie. On a juste besoin d'être consultant, besoin d'être accompagné et de débloquer justement ces croyances illimitantes qu'on puisse avoir, qui puissent être depuis tout petit, adolescent, où nos parents nous ont dit très régulièrement, oui, mais si tu fais ça, mais oui, mais faut pas faire ça, mais tu te rends compte, il faut, voilà. Toutes ces valeurs qu'on a, mais aussi ces égos aussi, en tant que femme et homme, on a besoin d'être accompagné de quelqu'un qui puisse justement débloquer toutes ces croyances et qui puisse nous faire de façon à ce que nous puissions aussi sauter le pas. Voilà. Donc moi, tout le conseil que je vais demander, c'est faites-vous accompagner et entourez-vous des meilleurs. Et puis n'hésitez pas aussi à demander
Ah, pardon, je parle Non, trop. ben en fait, c'est toujours ce que je dis au sein de cette entreprise. Faites-vous accompagner, des meilleurs oui. malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps, mais je pense que ce sera aussi l'occasion pour moi de t'inviter une autre fois pour que tu puisses parler de cette casquette que tu as, celle de coach en neurosciences, puisque je pense que c'est important aussi pour que les gens puissent savoir en quoi ça consiste, puisque tu as décidé de l'allier avec ton métier de consultante. Juste pour terminer, Na, où est-ce qu'on peut te voir en fait sur les réseaux Instagram, Facebook? Est-ce que tu pourrais donner tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter si besoin? Bien sûr, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, j'échange beaucoup, je donne beaucoup de contenu et de conseils aussi sur tout ce qui est création, développement d'entreprise. Et puis vous pouvez aussi me joindre sur par mail aussi, mtqconsulting@gmail.com. Je me ferai vraiment un plaisir, mais vraiment un grand plaisir de vous conseiller. Voilà, et encore merci pour cette très belle émission que vous avez les filles, c'est génial. Beaucoup Ina, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui accueillie au sein de l'émission, surtout que tu es en métropole pour des raisons professionnelles, donc merci pour le temps que tu nous as consacré. Je t'embrasse fort et à très très bientôt. À bientôt. Merci Ina, merci Cindy pour c'est cette moi. Belle invitée. Ouais. J'ai retenu les noms des restaurants, j'ai fait le chef et tout. Quand j'irai en Martinique, je ne manquerai pas de passer... Passez les saluer. Je sais que Maëlle aime beaucoup ce profil également. Tout à fait, oui. Ça a dû vous parler, ce qu'elle disait par rapport à sa relation de maman, entrepreneur, combiner le tout sans trop culpabiliser. Exactement. C'est aussi une des discussions qu'on a pu avoir, Ina et moi, puisqu'on se connaît. Oui. Et effectivement, c'est une organisation et j'ose pouvoir témoigner de ma réussite en tant que mère, que femme entrepreneur et maman solo pendant un long moment. Oui. Et c'est vrai qu'avec une bonne organisation, tout est possible. Il suffit tout simplement de mettre en place quelques règles. Et puis ensuite, la vie de famille accompagne la vie professionnelle sans aucun problème. Je peux en témoigner. J'ai rencontré la petite récemment. Et ma foi, c'est une réussite. Merci. Alors, on va passer à votre chronique, Maëlle. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de féminisation de l'expertise dans le BTP avec une invitée intéressante. C'est rare d'entendre parler de femmes dans ce secteur. Oui, c'est pour cela que j'ai choisi d'avoir Nilda La Rochelle, qui est fondatrice, de l'entreprise IP2C, oui. Et qui est effectivement positionnée sur l'expertise dans le BTP. C'est vraiment intéressant. Ça me fait penser à mon père, pour tout vous dire, parce qu'il a beaucoup travaillé dans le secteur il y a quelques années, dans le cabinet d'architecte et tout. Et effectivement, souvent, c'était des messieurs qui l'accompagnaient. Donc, très contente que ce soit une femme ce soir. Elle va nous... Alors, est-ce qu'elle est là? Ah, bonjour. Je suis là. Nilda La Rochelle. Bonjour. Vous entendez très bien. Je vais vous laisser entre les mains expertes de Maëlle. Bonjour Nilda, bienvenue sur le plateau des experts au féminin. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours professionnel et quelle structure que vous gérez? Alors bonjour à tous. Donc Nilda La Rochelle, je suis présidente de la société IP2C depuis maintenant 7 ans. Donc on est là depuis 2015. Mon parcours, j'ai fait des études dans le domaine du BTP, donc une formation, un bac, tout d'abord un bac en Guadeloupe au lycée qu'on appelle maintenant Georges Nicolo Abaster, donc un bac génie civil. Ensuite, un BTS travaux publics à Paris. Je suis partie après mon bac à Paris, j'ai fait un BTS génie civil, travaux publics, formation de conducteur de travaux. J'ai travaillé, j'ai fait aussi une année d'ingénieur et puis j'ai travaillé dans un cabinet pendant 3 ans en métropole. Suite à ça, je suis rentrée en Guadeloupe où j'ai là encore travaillé dans un cabinet qui faisait du diagnostic immobilier et de la coordination en sécurité.
Et après, après mes 3 années d'expérience, j'ai monté ma structure. Voilà. On se rend compte que IP2C, c'est vraiment le résultat d'un long parcours, en tant qu'expert dans le BTP. Donc justement, quelles sont les activités que vous proposez au sein de IP2C? Quels services que vous prodiguez et quels sont vos champs d'expertise exacts? Alors aujourd'hui, le cabinet IP2C propose tout ce qui est en rapport avec l'expertise et la sécurité. Donc IP2C pour investigation, prévention, coordination et Et donc, en fait, on fait conseil et coordination, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Et donc, en fait, effectivement, on propose tout ce qui est du diagnostic immobilier, notamment du diagnostic amiante avant travaux, donc le diagnostic immobilier pour tout ce qui est vente et location, et puis de la coordination en sécurité sur les chantiers. Je dis bien en sécurité, donc c'est-à-dire qu'on vérifie avec que les entreprises travaillent en sécurité quand il y a plusieurs activités. Donc effectivement, c'est un secteur très pointu sur lequel il faut avoir une excellente maîtrise de son expertise. Donc comment on y accède justement aux fonctions d'ingénieur dans le BTP? Quel est le cursus à suivre? Puisque moi, vous savez très bien que j'ai une prédominance pour les thématiques qui se portent sur la formation. Donc, est-ce que vous pouvez nous témoigner d'un exemple possible pour ceux et celles qui souhaitent intégrer ces fonctions? Alors, le cursus, il faut dans un premier temps avoir de l'expérience dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Donc, pour tout ce qui est coordination SPS, parce qu'on va vraiment faire la différence entre la coordination en sécurité et le diagnostic. Donc, pour tout ce qui est coordination SPS, il faut avoir des connaissances dans le domaine déjà. Et puis ensuite, faire une formation diplômante, donc qui nous donne un diplôme de coordonnateur en sécurité en fonction du niveau des chantiers. Donc il y a 3 niveaux de coordonnateur SPS qui vont du niveau 1 au niveau 3. On peut suivre différents chantiers, donc du plus petit chantier, c'est-à-dire la construction de maisons individuelles, jusqu'au gros chantier comme ceux du CHU par exemple. Et pour ça, il faut avoir des connaissances dans le domaine du BTP et suivre une formation diplômante. Pour le diagnostic immobilier, c'est mieux d'avoir des connaissances, mais tout en chacun pour rentrer dans le domaine. Cependant, il faut suivre des formations pour chaque domaine spécifique. Donc, on fait du diagnostic thermite, amiante, électricité, des PEG, donc des performances énergétiques. Et pour ça, il faut des formations qualifiantes et suivre ensuite une certification pour chaque domaine d'expertise. Nous voyons bien que c'est un domaine très réglementé sur lequel on ne peut pas se passer des formations. Donc justement, j'aimerais savoir, est-ce que aujourd'hui c'est un secteur porteur d'opportunités? Est-ce que on peut dire qu'en Guadeloupe, c'est un secteur qui embauche? Quelle est votre analyse sur le terrain? Alors, pour la coordination SPS, je vous avouerai qu'on est en plein dans un métier qui a besoin de coordonnateurs, parce que malgré toutes les crises qu'il peut y avoir, le BTP reste un secteur qui est porteur. Et chaque chantier a besoin d'un coordonnateur SPS. Donc il y a déjà du monde sur la place, hein, mais moi j'ai pour habitude de dire qu'il y a à manger pour tout le monde peut travailler. Et c'est vrai que plus il y a des... Pour être efficace, il ne faut pas avoir beaucoup de chantiers à suivre. Et pour pouvoir suivre un chantier correctement, il faut avoir du temps. Et pour ça, il faut avoir des coordonnateurs SPS. Donc c'est vrai que c'est un métier dans lequel on est toujours en recherche de coordonnateurs, parce que comme vous l'avez entendu, c'est un métier où il faut être quand même qualifié, où il faut avoir des connaissances. Et ça manque. Pour le diagnostic, pareil, c'est un métier qui est porteur parce que c'est la réglementation. Les ventes, les locations, ça se fait tout le temps, en vérité. Du coup, ben, pour ça, on a besoin de diagnostiqueurs sur le terrain pour intervenir.
Très bien. Alors, justement, on a bien entendu sur ce plateau que c'est un secteur qui embauche, à condition, bien entendu, d'être formé en la matière. Je crois savoir qu'au niveau de votre entreprise, vous formez justement vos collaborateurs afin qu'ils puissent être aux normes au niveau des connaissances nécessaires pour le BTP. Quelles sont justement les possibilités en tant que femme d'évoluer dans ce secteur? Est-ce que c'est un secteur qui est réservé qu'aux hommes? Comment vous positionnez-vous puisque justement vous êtes experte dans le BTP? Alors, il faut savoir que moi, j'ai créé mon cabinet, mais tout ce que je fais, tout ce que mes collaborateurs font au sein du cabinet, je peux le faire. Et je le fais d'ailleurs, puisque je suis les chantiers avec eux et je vais sur le terrain avec eux. Donc, oui, c'est un métier qui est ouvert aux femmes. Comme vous l'avez dit, moi, vu qu'il y avait un manque de collaborateurs en Guadeloupe formés, j'ai eu ce besoin de former mes collaborateurs pour qu'ils puissent travailler avec moi. Et régulièrement d'ailleurs, ils mettent à jour leurs connaissances puisque c'est nécessaire dans notre domaine de se maintenir informé. Du coup, oui, la formation est nécessaire et les femmes peuvent intervenir. Hein. Je suis l'exemple. Il y a de plus en plus de femmes, mais il n'y en a jamais assez. Jamais assez, puisque ça permet, que ce soit sur le domaine de la coordination ou du diagnostic, d'être un peu plus apaisée. Et moi, je trouve que les femmes sont plus rigoureuses dans ce qu'elles font, puisqu'on a toujours plus à prouver en vérité. Donc, du coup, moi, j'espère en tout cas que les jeunes femmes nous suivront dans ce secteur-là. Et c'est pourquoi pas une aussi possibilité de reconversion professionnelle, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à se reconvertir et pourquoi pas donc s'orienter sur l'expertise dans le BTP. Je vous remercie. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous suivre, puisque c'est quand même important? Alors, nous avons un site internet, donc c'est ip2c-guadeloupe.net. Nous avons aussi un Facebook. IP2C 97.1 et une page Instagram IP2C 97.1. Merci beaucoup Nilda La Rochelle. On se dit à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Nilda La Rochelle. Merci Maëlle de rendre visibles des professionnels tels que Nilda La Rochelle, parce que à moins d'avoir une femme comme elle dans son entourage, on ne peut pas forcément se dire, on ne pense pas à des métiers comme cela. Donc merci pour cela. Merci. On va enchaîner avec Amanda. Oui, excellent. Alors, ce soir, vous nous emmenez à la découverte d'une entrepreneure, Francesca Pierre, qui met en avant les produits locaux, les artisans de notre archipel. Racontez-nous un petit peu ce qu'elle fait. Alors, Francesca Pierre, elle est la fondatrice de Guadeloupe Box et elle met en avant, elle met en lumière les artisans et les producteurs locaux. Donc, ce sont des box mensuelles par abonnement où on peut recevoir des produits qui se renouvellent de nos producteurs locaux. C'est une excellente idée. Génial. Donc, avant l'émission, j'ai vu passer les photographies. Ça donne envie. C'est ça. Alors, elle nous a rejoint en duplex. Francesca Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir. Ravie de vous avoir sur le plateau. Je vous laisse en compagnie d'Amanda. Merci pour l'invitation. Bonsoir Francesca Pierre et merci d'être avec nous sur le plateau. Merci. Alors, nous savons que vous êtes... Oui. Alors, nous savons que vous êtes la fondatrice de Guadeloupe Box. Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept, s'il vous plaît? Oui. Alors, Guadeloupe Box, c'est une box mensuelle de produits fabriqués en Guadeloupe. Donc, tous les mois, vous recevez directement chez vous une boîte composée de 4 produits, 2 produits alimentaires, un produit de bien-être et un produit artisanal. Donc, tous les mois, selon le thème, vous allez recevoir de nouveaux produits que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir. Alors, d'où vous est venue l'idée de fonder Guadeloupe Box? Alors, c'est venu durant le confinement, parce qu'effectivement, durant cette période, on s'est beaucoup rapproché de nos producteurs locaux.
faute de quoi. Et je me suis dit, une fois cette période passée, que deviendra cette volonté de se rapprocher, de consommer plus local. Donc, j'ai réfléchi sur une proposition qui permettrait de pouvoir modifier petit à petit ses habitudes alimentaires, ses habitudes de consommation. Et une fois que notre routine entre le travail, les activités, la famille serait rentrée et serait repartie, proposer une alternative qui permettrait de consommer plus local. Alors, nous savons que vous êtes la fondatrice de Guadeloupe Box, mais comment définiriez-vous votre journée type pour, au sein de Guadeloupe Box? Alors, effectivement, Guadeloupe Box, c'est une activité pour moi complémentaire, donc elle vient en plus de mon activité principale. Et c'est une passion pour faire partager ce que je peux trouver dans les marchés. Donc, la journée type, c'est vraiment la rencontre avec de nouveaux artisans, d'aller sur les marchés et après de prendre contact avec eux, de voir est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et après, effectivement, toute une partie de communication, essentiellement sur les réseaux sociaux pour moi, me concernant, à travers notre page Instagram. Alors, comme j'ai pu le constater sur les réseaux sociaux, vous faites tout de A à Z? Oui, c'est ça. Donc, Guadeloupe Box, c'est essentiellement moi. Donc, je fais essentiellement, tout ce qui est photo, marketing digital, communication, préparation des box, relations avec les prestataires. Et puis, sur les grosses commandes, puisqu'on accompagne aussi les entreprises, les collectivités qui veulent aussi remettre ou des cadeaux à leurs clients ou à leurs salariés. Et sur les grosses commandes, j'ai un coup de pouce de mon mari pour m'aider dans la confection. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, leur conseil, c'est d'être passionné, attentif aussi au marché, aux besoins qui évoluent, de ne pas avoir peur de se lancer. De tester. Il faut tester, modifier et puis persévérer. En tout cas, je vous remercie. Pouvez-vous nous rappeler vos réseaux sociaux où on pourrait vous prendre contact avec vous? Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Donc, c'est essentiellement sur Instagram qu'on communique, donc sur guadeloupebox.com. Et puis, vous pouvez vous rendre directement sur le lien dans notre bio, où on fait parvenir une fois par semaine, donc le vendredi, le camo de Guadeloupe Box, où c'est une newsletter que vous recevez tous les vendredis pour découvrir de nouveaux produits. Et en vous inscrivant, vous avez une petite réduction pour votre première box. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous en plateau ce soir pour nous faire découvrir votre bébé. Mais merci Amanda pour cette invitation et ce coup de projecteur sur notre initiative. Merci beaucoup Francesca Pierre. Merci Amanda. Cindy, je me tourne vers vous, puisque vous êtes gourmande comme moi-même. Seriez-vous incline à réserver des petites boxes comme ça mensuelles chez cette très intéressante invitée? Ah, moi, je suis fan. En plus, plus ça va et plus je peine à vouloir me déplacer, en fait. Donc, si tout arrive à domicile et au bureau, moi, ça me va. Mais en fait, félicitations à elle. Et puis, une très belle initiative qui effectivement mérite d'être mise en lumière. Tout à fait. Et encore un business en couple. Je vois que son mari l'aide dans les box et exactement. Tout. C'est intéressant. C'est la thématique du jour. Hein. C'est très intéressant. Alors, on va enchaîner avec ma chronique cette fois-ci, puisque je n'ai pas lâché les téléspectateurs qui apprécient les petits voyages que je vous propose chaque semaine. Avec grand plaisir. Ce soir, je vous emmène à la rencontre d'une jeune Guadeloupéenne, vraiment très intéressante. Petite vingtaine d'années, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Elle était à Philadelphie, il y a encore peu de temps. Elle y a passé 2 ans dans le cadre d'un VIE. Actuellement, elle est à Toronto pour un PVT. Et j'ai trouvé très intéressant de
de la faire venir sur ce plateau via ce duplex pour montrer aux jeunes en fait que voyager c'est possible, même en étant jeune, même en n'ayant pas beaucoup de moyens forcément, mais en travaillant sur les destinations c'est possible. Alors, est-ce qu'elle nous a rejoint sur le duplex? Maëlys, bonsoir. Bonsoir. Alors, ravie de vous avoir parmi nous. Vous êtes à Toronto en ce moment? Oui, ravie aussi. Merci pour l'invitation. Et oui, je suis à Toronto en ce moment. Installée? Oui, j'installe tranquillement. Alors, j'ai tenu à vous inviter ce soir pour que vous nous expliquiez un petit peu en quoi consistent le VIE et le PVT. On va commencer par le VIE. Vous travaillez à Philadelphie il y a encore peu de temps dans ce cadre-là. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, le VIE, c'est un contrat qui est destiné aux jeunes entre 18 et 28 ans. Et en fait, c'est le concept, c'est d'aller travailler pour une entreprise française à l'étranger. Donc, ça peut se faire partout dans le monde. Moi, j'avais choisi de travailler aux États-Unis, mais c'est vraiment disponible partout dans le monde. Et donc, ça dure entre 6 mois et 24 mois. Donc, moi, à la base, c'était un contrat de 18 mois, parce que les États-Unis, c'est que 18 mois. Mais en fait, avec le Covid, j'ai pu prolonger mon contrat jusqu'à faire 22 mois. Donc, je travaillais dans mon domaine, donc je suis dans la communication et l'événementiel. Et j'ai pu travailler donc à Philadelphie pour une entreprise française dans le bâtiment. Alors, vous avez switché maintenant, vous êtes à Toronto dans le cadre d'un PVT. Vous avez réussi à décrocher très rapidement, puisque j'ai suivi l'aventure sur les réseaux sociaux. Racontez-nous un petit peu, de quoi il s'agit le PVT, comment ça s'obtient? Alors, le PVT, là, c'est un peu plus du hasard, j'ai envie de dire. C'est une grosse partie de chance. En fait, ce qu'il faut, c'est s'inscrire. Donc, ça s'appelle un permis vacances-travail. Et il y a différents types de PVT. On peut faire ce qu'il y a dans 16 pays, dont le Canada, le Brésil, la Corée, le Japon. Voilà, toute une bonne liste de pays. L'Australie aussi, c'est très demandé, l'Australie. Et moi, je voulais le Canada pour que ça suive un petit peu l'expérience que j'avais eue aux États-Unis. Donc, j'ai fait ma demande sur le site du gouvernement canadien. Et en fait, ça fonctionne par tirage au sort. Et j'ai été tirée au sort en 3 semaines. Donc j'ai considéré ça comme un signe. J'ai pris ma chance et mon billet d'avion. Et du coup, maintenant, je suis à Toronto. C'est là. Alors, je disais en entrée de cette chronique que c'est un moyen pour les jeunes de voyager, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, en travaillant sur les destinations. Je vous ai suivi sur Instagram lorsque vous étiez à Philadelphie. De là-bas, vous avez visité les États-Unis. Racontez-nous un petit peu ce mode de vie dans des pays étrangers. Oui, alors du coup, le VIE, la chance qu'on a, c'est qu'on a 5 semaines de congé payé, vu que c'est un contrat français. Donc, j'ai bien pu en profiter pour voyager. Du coup, je travaillais, donc j'ai pu mettre de côté. Et j'ai pu aussi en profiter pour voyager un maximum. Et pour le PVT, donc c'est pareil, je compte travailler. Là, je suis en recherche d'emploi actuellement. Je viens d'arriver. Et je compte aussi en profiter un maximum pour voyager et visiter le Canada. Du coup, c'est un bon moyen parce que, alors certes, c'est bien de partir avec un petit apport, mais bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, parce qu'en soit, vu que vous travaillez, là, vous allez mettre de côté et vous allez pouvoir aussi en profiter. Et ça permet aussi de mettre un pied dans le management à l'américaine, ou le management, en tout cas, dans un autre pays. Pour moi, c'est l'Amérique. Et ça vous permet, du coup, d'avoir une expérience professionnelle aussi. Donc, je trouve que c'est très valorisant, surtout quand on est jeune. CV, c'est excellent d'avoir des expériences à l'étranger comme cela. Je pense aux parents qui nous regardent. Là, vous êtes à Toronto, vous n'avez pas encore trouvé votre travail. Est-ce que le marché canadien est semblable à celui qu'on connaît en France, ou c'est un peu plus facile de trouver avant de partir? C'est différent. Je veux dire qu'en Amérique du Nord, en général, ils valorisent beaucoup plus, en tout cas, l'expérience et la volonté des gens de travailler, la motivation. C'est pas forcément les diplômes qui sont forcément mis en avant. Donc en soi, j'ai envie de dire que si on se débrouille, qu'on a envie, qu'on montre qu'on a envie, bah, tout le monde peut, enfin, on peut rapidement essayer de trouver un emploi en tout cas. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une dernière petite question. Après cette étape, donc vous avez fait Philadelphie, là vous êtes au Canada, vous pensez rentrer en France ou vous installer à l'étranger? Parce que vous avez goûté un petit peu à la vie ailleurs, qu'est-ce qui vous attirerait après? C'est un vaste débat. Je pense que je vais rester à l'étranger. Est-ce que je vais rester au Canada? Je ne sais pas, ça va dépendre aussi des opportunités que j'aurai. Peut-être retourner aux États-Unis, c'est possible. Mais j'ai envie de dire, le monde est vaste et du coup, j'ai encore envie, je pense, de goûter à la vie à l'étranger. Sur quel réseau pouvons-nous vous trouver?
Alors, je suis donc sur Instagram, c'est là où on s'est rencontrés. Mon nom, c'est Travel with Maëlys. Et j'ai aussi ouvert plus récemment une chaîne YouTube et j'ai un compte TikTok, le même nom, Travel with Maëlys. Et je raconte mon expérience de VIE et d'expatrié sur mon blog, travelwithmaëlys.com. Merci infiniment, Maëlys, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Alors, mesdames, avant de clôturer cette émission, est-ce que, si vous aviez su que cette opportunité existait, ça vous aurait plu à l'époque où vous étiez étudiante ? Maëlle ? Alors, moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mon cursus d'escrimeuse. Oui. Donc, c'est vrai que je n'avais pas forcément, au niveau de mes études, cette soif d'aventure, puisque depuis l'âge de 5 ans, je voyage, en D'accord, fait. D'accord, super. Donc, le monde, je l'ai parcouru avec le sport de haut niveau. Oui. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas cette opportunité, hein, puisque nous ne sommes pas tous escrimeurs, n'est-ce pas pour ceux qui n'ont pas cette opportunité, oui, pourquoi pas, c'est vraiment une belle aubaine que met en place la France pour permettre à ses étudiants d'avoir une ouverture plus grande sur l'international. Ouais. Et vous, Amanda, que pensez-vous de ces opportunités ? Franchement, j'ai 28 ans et ça m'aurait beaucoup plu, en fait. Vraiment, d'aller à l'étranger, de travailler, de voir l'étranger autrement, oui. Puisque être en immersion et être en vacances, c'est totalement différent. Donc, franchement, ça m'aurait vraiment plu. Et j'encourage les jeunes Guadeloupéens à s'ouvrir un petit peu. C'est pas fini, le PVT jusqu'à 35 ans. Ah, bien, c'est bon à savoir. Eh bien, voilà, mesdames, on l'a fait. Exactement. Félicitations à la maîtresse de maison. Pour des émissions. Chers téléspectateurs, merci. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on embrasse très fort Axel. Au revoir. Bon bisous, Axel.